Yeah, I knew it could possibly happen. Obviously, it's always kind of surprising when you get picked and you get traded and then traded again. But yeah, I'm optimistic. I'm happy to be here. I'm happy to be with Montreal, and hopefully we push them into a great direction. For a quick slight moment, I thought I was going to LA, and after I found out I was going to Montreal, so I said, hey, at least I'm in Canada still. So I'm happy for that. I'm happy to be with Montreal as well. I know the fans are excited and longing for a new start and new players. So I'm excited too. I'm optimistic. So we'll see how it goes. La MLS, je sais que c'est un championnat qui est en progression chaque saison. C'est vrai qu'avec toutes les stars qu'on voit qui arrivent en fin de contrat en Europe et qui arrivent ici, c'est un championnat vraiment attirant pour nous, les Français. Et ça a toujours été dans un coin de ma tête. Ça m'a toujours attiré. Et être là aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. J'ai hâte de découvrir tout ça et réaliser une grande saison avec l'Impact, vraiment. Oui, après, les qualités, ça ne suffit pas. Il faut travailler, rien n'est acquis. Voilà, moi, je suis prêt à travailler. Le coach, voilà, on a un coach français. Ça m'a poussé aussi à venir ici. C'est très important aussi. Et ouais, je suis très motivé pour cette saison et oui, je vais tout donner vraiment. Le Rémi Garde en France, c'est un très grand coach, vraiment respecté en France. Après sa philosophie de jeu, j'ai jamais été son joueur, donc je ne sais pas exactement ce qu'est sa philosophie, mais je sais que c'est un très grand coach et qui pourra m'apporter beaucoup vraiment. Là, à Montréal, je connais le hockey, j'entendais beaucoup parler du hockey ici, je sais que c'est le sport favori. Et ouais, le froid, et j'ai quelques amis aussi qui ont vécu ici et qui m'ont dit que du bien, vraiment. Je pense que je vais vraiment m'y plaire ici. Et les gens sont chaleureux, on m'a dit. Et ouais, c'est une très belle ville et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Moi, ouais, j'aime bien le duel. Moi, je suis un défenseur athlétique. C'est vrai que j'aime bien le duel. J'aime bien aussi jouer au ballon. Et les meilleurs défenseurs, c'est ça. Ils savent associer les deux en même temps. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, vraiment. Yeah, well, I've been in Europe 6 years now, and then coming back to play Canada, major plus. Like, being home is special for me, considering that all my friends and family can come watch me and play, and being part of Canada is great for me, and I'm so excited to be part of the Impact. I can either play on the wing or as a right back, as I've been playing now, and my style of play is direct. I'm energetic on the field, and I'm quite quick, so I use that, and right now I'm comfortable playing at right back, so prefer to play there at the moment. So. I think the league's getting much bigger, and I was looking at coming back home and playing the MLS. So, and I think I chose now to come back, and I'm excited for it. So. Yeah, I was totally surprised when I got picked. I never believed that it would happen, and of course, in a couple of hours, I got traded to Montreal. So I was a little bit confused at the beginning, but you know, this is how it is, and I'm really looking forward to start working with the guys. Like, I have already a little bit experience of MLS and other leagues in Europe, so for sure to bring some experience with me. Yeah, possibly, you know, like, I'm the player who likes to show, like, I see myself a very professional guy and show maybe for the younger guys how things should be done or needs to be done. So, you know, that's my way to for sure help the team.